أزوف لون أثنى دعني أسنقل تغالد أغوطون مينوث سوفغا أنضغطو سايد سعدي السكين السكين سين ذي يوليو يغاد عن يوني مجرد يدر ثلاثة اسمون عبان معطوب رشاد أنا واحد نوير تصلت تكذ كمال أماري تدن سفان أزولا كمال أزول رشيد أزول كرام دي دولة أسكسم زوا ممكن نروح تسريد سادير إن ديون باوات سقفاليث يكاث يتسرو أنو يدي لها با سعيد سعدي يبغي دي جبذ في ثربات الرشاد يويدك ني يسكرين لا بروباغاند الجهة النظام يلفون أغريسي الجهة اللي تطلع بين رول دو فيكتيم الديوث الديترو دونك سعدي جبد دي جبد كرن نيم دياتن دي زيكسبرسيون دوتر لون كما استعرض ماستروميد يفات دي زيكسبرسيون ايديوماتيك ايكيفالونت وهذا كان الكاتي ترو يبغى يبين باللي يون تصوت لامبوستور مورال دو سيز اسلاميست لا الى بارلي دي ديسكروكري on peut dire presque intellectuel ani ثربات رشاد استخدم لا روز استخدم تحرشي استخدم لا ريليجيون لا استراتيجي سنداشوت ادوثن ادترون ils vont t'agresser ils vont jouer le rôle de la victime دين جبد سايت سابي يا اني ثرياس ديجا وين كي لا اغريسي مارسي سن دنگ دنگ مارسي تلوف نانت نويدك نيلان اللون اتاكي سادير pour s'attaquer à sa personnalité en l'accusant d'être l'un des responsables de l'assassinat Matoub donc ويهيدك ني اكوثن بعد après الدترون اخطر سعدي جبدد جبد جوستمون اني ويدك نيلون اغريسي لو 3 نوفمبر 2019 ا مارسي سو ريفونديكي دو رشاد الا دغنت اسمي الثلاثة لوفتان لي ميديا نسن لي ميديا لي شودن اي ثربات لي اسلاميست ان نود بلي فوالا خمنس مليح لي راديكاتور خاطر سعيد سعدي خاطر مين تاف يشرك واحد وداك اللي نسحب سن لي زيليكسيون ويوكن الفاشيزم الفار الفاشيزم ديوتي الحكم سعيد سعدي لام بارمي دي زارتيزون بور ايفيتي ليفوندرمون دو ليتا ريبوبليكان اون الجيري دونك الا سوفي من هني تولد في نص تحسيب من السنين يوشو اغنت من عطينا وطي الحكم Donc, il a dit que Donc, Rachad n'a jamais condamné ses actes. Et oui, il a dit que il a dit qu'il va les attaquer en justice. Et je vais te dire le 25 juin. Et justement, il a responsabilisé Saïd Sadi de l'assassinat de Matoub. Et il a dit qu'il va rendez-vous avec les tribunaux. Donc, il a dit qu'il va être dans donc ces derniers temps et je vais te dire donc après la Matoub qu'on va les manipuler dans la mémoire de Abin voilà donc il est et oui Sahan Belli Saïd Saadi déjà il a gagné des procès contre Widak Nilan justement à s'exprimer les mêmes accusations. Donc toujours, il a l'éventail de la violence. Ça a dit donc l'éventail de la violence. Un inouni, Winilan Yuen, ils ne partagent pas leurs idées. Zmarat Daout n'a s'exprimé la violence. Il voit qu'il y a sous semaine, il voit qu'il y a des sardines qui s'immensent de la société. Donc inouni, la stratégie c'est c'est de chasser en meute. Ça veut dire, un milice, le hamjnenken, de deklen,
Par exemple, ils vont s'attaquer à quelqu'un qui les arrange pas. Les agressions dans la rue, juste moi, ça dit, les pressions médiatiques, la hamajnengen, c'est pour parasiter le débat. Il voit que justement, on ne va pas parler des préalables démocratiques, des fondements réellement de la démocratie. Nous, on va parler de bruit, le parasitage, il voit que nous avons fait autre chose. Et ce ramène dans la jeunesse, il voit que justement de la manipuler. Et justement, par exemple, tout à l'heure, on a un jeune, on est taille à Paris, on est justement qui est dans le poste, on est la responsable, c'est-à-dire de l'assassinat de Matoub. Justement, c'est un jeune. Donc, les islamistes, une frange de jeunes pour s'adresser aux jeunes. Donc, un jeune s'adresse aux jeunes. La violence. Bachid Smithin Billy, c'est le chef de son, de temps en temps, il pousse ça, il faut être un peu agressif pour éviter de montrer que c'est un mouvement de mollesse, c'est-à-dire que c'est un mouvement doux. C'est un mouvement qui est fort, qui est actif, qui menace. Donc, c'est ils vont imposer leur idéologie dans la société. Et je vais dire ça, il y a l'ajaïb, un chiwoun qui va se dire démocrate, qui va assimiler à des moments d'égalité, d'alerter, de dénoncer ça. Et ça, il y a des choses, justement, à chaque fois, il y a des contributions sur sa page dans les réseaux sociaux. Donc, nous, on est la stratégie, c'est les intimidations. C'est les rumeurs, c'est la violence. Donc, nous, c'est une stratégie-là fasciste, pour dominer, semer la haine. Pourquoi il vit ça, il s'est dit, à Khatar Nouni, Bran Medabia, il a un climat de haine, il se met à haine, il n'a pas reçu d'ordre. Il de désigner la cible, il peut passer à l'acte. Donc ça pose un grand problème pour la sécurité des gens. Ici, c'est un exemple, la place de la République. Mazaret Arraché, d'autre fois, Mzian Abben, justement, il a fait l'intervention de la place, il a dénoncé les comportements de Rachad. Il fait Timur Lewis, Hala. أني سيّن اسم العائلة ديهضور الحالة باش تكتيوينيس خطر تكتيوينيس مخالفين واحد ترباث الرشاد donc il y a personne qui va vraiment dénoncer ces perturbateurs là donc c'est prouve que réellement ils arrivent à dominer et à imposer leur règle donc Issaïd Sadid s'est posé la question شحال إلا قن إتوفان grillé pendant la décennie noire, شحال les intellectuels ils ديمثن شحال يموتن donc elle a eu وقت تفرو يوكن الدوشين les intellectuels غير les intellectuels غير les algériens يوكن تسحبسن الفاشيزم نسن donc نهني سعيد سعيد ولد انت بلي il faut pas que le vote غير يولا ديفور استزي يفرنين والدورة إذا أمبوزي ان سيستم توتاليتاري ويدد أدي قبل ويدك نسعان يسون مينوريتار يسقلي الانترنس البوفوار يتوفي في المرا والدورة يقبل يون دان سوري ان كلمة دو تيرا دونك سعيد سعدي راشدي وسكسيك نمزورو تسمد هذا كيف غادي يني بلي لي إسلاميست برانسيبالمون راشد بار اكزومبل استخدمنا الاستراتيجية دتا دي كيو تدي ترو دي استخدمنا فيولانس دي مانير روزي ومن بعد برا دي ترو دياني بلي كانت نهني كي اغرسي دايور جستمان بارمي يونا ريبريزنطان رشاد نينانج لندر إلا في ان انرجسترمان جستمان شعلس لي ساعد سعدي سيسل اني استقار بلي ساعد سعدي لزا اغرسي لزا vraiment alors imaginez un chemin d'avoir un flas
même Saad Saadi qui devient maintenant le bourreau au lieu de la victime. Voilà, donc c'est pour ça que Saad Saadi, justement, il a résumé l'idée par l'idée à ni Vikuthen, Badad Trou. Hakarashi Terit, le succès. تضطيد الولين سقسيان دي سدون يشود ذاك النغاشة دي سقذ المطاس أزمول مطوب ثيوغة يغالد تشفاوس على ميموار نعبان رمضان أو يفن دينيض شدي الناس سايد تعدي غفت نتاكي لما نيبيراسو دي ميموار دو مطوب كذا عبان رمضان Justement, parmi les représentants de Nrasha, Dani dit justement la mémoire d'Aban, mais il vous fait de l'occasion d'essuyer l'ANS et Saïd Saadi pour l'attaquer. Et Saïd Saadi, je veux dire justement, il n'est pas le 27 décembre 2019, un mec qui mort de la diaspora, un mec étranger, un mec français, un mec Canada, il a été ressuscité, il a été rétabli. C'est comme si une sorte de reconnaissance à titre posthume, à travers déjà le slogan déjà État civil et non militaire, il doit accéder parmi les résolutions du Congrès de la Soumam, la primauté du politique sur le militaire. Donc, Midesho, ça a dit net, justement, Agdoud Zayer, il fait les posters là, ben, dans les manières de reconnaître, justement, de faire une reconnaissance à titre posthume, et net d'arrente. ولا شون زرا ونزرا راه ولا ديون ان اسلاميست نرفدن البوستين عبان رمضان ام حسيت ديج بيدفع عبان رمضان سافا دير سي بور سا جوستمون ايلز انسترومونتاليز ايل ريكوبير دي فيغور هيستوريك الوغ كو ان بارتاج ريان بارابور ا لور بروجي دو سوسيتي دونك ل ايش بدا سايت سادين دبلي justement à Ben Ramvan à travers justement la plateforme de la Soumam, et justement il y a eu des principes généraux universels qui sont intemporels et qui traduisent justement la vision de l'Algérie post-indépendante très clairement c'est pour une république démocratique et sociale donc il y a des principes. Et en même temps, il vient de Billy dans la plateforme de la Soumam. Un intéressé de Tagarewel Zayer, il n'est pas un féodé ni au Caire, ni à Londres, ni à Washington, ni à Moscou. C'est le principe de non-alignement. Il n'est pas Saadi, il n'est pas Ben Ramadan, mais il n'est pas à Kernayes, ni à Ankara, ni à Doha. C'est-à-dire qu'il ne va pas être un féodé. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison justement, à travers Rachad, l'Empire ottoman, il commence à être rétabli par Erdogan. Et donc, il va être fait le relancer, il va être rachat, il va être Saadin Tekhtiwinsen. La chose que Saadin dans ta chute, il va être vraiment rachat, il va être dit qu'il va défendre un peu la démocratie. Le principe des élections, tout ça, parce qu'ils tournent avec un peu de dans le coffre, les islamistes, parce que là, c'est des militants, le fils, ils tournent le fils, Rachad. Il n'a dit pas pourquoi ne pas y aller sécuriser les fondements de la nouvelle Algérie par des valeurs communes, mais c'est vraiment ça, il y a un peu de. Donc, Minouni, il persiste dans les petites manipulations, le double, voire le triple langage. Donc, c'est pour ça que Saïd Saadi, il doit l'appeler, il va vers l'apaisement de l'Algérie parce qu'il est dans une situation de turbulence, mais il va vraiment s'adorner, il va justement vers des préalables justement arrachés démocratiques, il va l'Algérie, attenu. في برانسيب دو لا ديموكراسي هكذا تيري صراشي لي وسكتي كما لو يفن دوغات القيت في الوصايه كي يدير فيها دكتور سعيد سعدي وموسو كان رشاد كما لا صح بغان عيني الهاني تموت ذا شو الوصايه اللي تسني فيها يعني سن لا صح الا ون تقول تخدم تموت تقول اثن وين الا قد تخدم ذا شو الا قد تخدم جوستمون سعيد سعدي
J'ai parlé des principes fondamentaux démocratiques. Justement, ça a dit mais vraiment, si vous êtes sincère, ça a les fondamentaux démocratiques. Oui, je vais dire ça. L'égalité des sexes, c'est-à-dire la liberté du culte, donc ce soit l'islam, le judaïsme. Le respect de l'esprit de la minorité, la majorité, la minorité. Le pouvoir il peut changer, il y a l'alternance. Donc ça a dit, il n'est vraiment le fait d'être il a les fondamentaux démocratiques. Parce qu'il n'est pas dit, il n'est pas la première fois qu'un dictateur arrive au pouvoir. Exemple comme Hitler. Donc les les islamistes, ils trouvaient les fondamentaux démocratiques. Il n'est pas de la ruse. C'est-à-dire, le projet les rejeter. Donc, بلي روح تقرا لو نيميرو 12 او 15 نوفمبر 1957 اش ديك تاع بن رمضان اني الى بارلي دو لا دوبل ريبتور كونتر لو كوبيون فرونسي واحد كونتر لوبسكورونتيزم دونك بن رمضان الى مي او ميم بي ديغاليتي لو دونجي دو كولونياليزم فرونسي واحد لوبسكورونتيزم يل بارلي دي زانتيغريست يل بارلي وليك نبغاني وي ثامور تجبد نعاذن العصر الجاهلي pendant l'apparition de l'islam arnawin loin dans l'histoire يوكن اكدود الجزائر اتسوفغن يتوغدوث اثرنا الدعيش dans le conservatisme dans le traditionnel qui n'a rien à voir avec les principes des valeurs universelles donc الناس بلي ما تبغام justement التزرم امشيت ميزع بن رمضان اقرا التوف بلي عبد رمضان il est pour la double rupture. Oui, Ned, justement, Saïd a dit, dans la une des Mujahed, toujours dans le même numéro, Ned, à Ben Ramadan, il a parlé encore une fois, pourquoi le préalable? Le préalable d'Achou, à Khatra Rachid, le colonialisme français, la révolution, négocie sur l'indépendance de la Kabylie, de l'indépendance de l'Algérie. Justement, ça a dit, la relation, les préalables, il n'a pas dit, donc c'est à peu près l'équivalence, on peut dire actuellement, des préalables de la clinique démocratique et l'indépendance c'est un peu ça, c'est la démocratie c'est ça donc on Izmir, on ne peut pas négocier à n'importe quel moment et avec n'importe qui donc Ben Ramadan il est contre toute forme de décadence et donc il est pour la destruction du régime colonial et de tout ce qui est de se séparer de tout ce qui est en relation avec le conservatisme, le conservatisme et le tout ce qui est comme on peut dire faire revenir la société à des situations qui ne travaillent pas la démocratie, qui ne travaillent pas la modernité et qui ne travaillent pas réellement au fond avec nous de l'Zaïr. Donc Saadine du Khaner remplacions le terme d'indépendance par démocratie, remplacions le pouvoir colonial par régime
militaire ou policier, par exemple, pour le Zaïr, remplacer force de régression par, par fondamentalisme, et ben, on va comprendre la vision à Ben et il peut s'adapter à la situation actuelle. Il n'est pas l'idérant de taxi ou de Hezb français, ça veut dire qu'il n'y a qui rejette justement l'islamisme, qui rejette. Parce que là où il y a même des cercles, des militaires qui taxent justement les Français, qui ont dit c'est anti-mourli, donc voilà, Rachid, ça te dit justement, il a parlé de la tyrannie, il a parlé de la soumission, oui, les Algériens. Comme étant des sujets et des sous-citoyens ou des ont un statut réellement de citoyen. Donc, ça a parlé aussi des relais justement du système et lorsque ça a dit, il a parlé aussi du Parlement européen à se mettre dénoncer les abus des manifestants. Donc le participant de la révolution du 22 février, et quand il a dit qu'il n'y a pas de problème, un gérant étranger, un calhal, etc. Alors que le Jihad Neton, il a parlé des ingérences politiques, financières, logistiques, diplomatiques d'Ankara et de Doha, il y a une autre. Donc c'est pour dire que justement, il y a des manipulations. Et vous avez dit que les anti-mourlites, les doudabounes, les islamistes, ont une ingérence. Mais si vous avez l'ingérence, vous avez dit que c'est des relations régionales, les islamistes, par exemple, les frères musulmans, qui sont rattachés à la Turquie et au Qatar, il y a une ingérence étrangère. Vous avez dit que c'est ça. تنميت كمال سيد سعدي مسيد أنا في نمون قاضي لينتي ناسيونال لكن أموسوكي يسنسلم رشاد ما إلا يبغان وث تنمي لنا لوبوزيسيون ثم تخصمت لذا مجدين يتدر يلتي كلت لينتي ناسيونال زمان دينيض وغيرا فنشتكي جوستما أكيد نير نيلي Ahmad, les militaires, Ahmad Rachad, ils accusent toujours de division. L'unité internationale, c'est comme à chaque fois, il est évoqué. C'est-à-dire, à chaque fois, il va remettre en cause la doctrine hégémonique, parce que nous avons dit que à défrayer ou contre une décision arbitraire, ils vont le combattre, ils vont l'accuser qu'il menace l'unité nationale. Donc, nous avons la recette de Saint-Van. C'est-à-dire, à chaque fois que tu les contestes, à chaque fois que tu remets en cause leur idéologie, tu remets en cause leur pensée, donc ils vont te dire tu es en train de. Tu es l'ennemi de la nation. À Khatar, nous avons Simensen, ils s'identifient à la nation. C'est-à-dire, nous avons Zaïr, nous avons de la nation algérienne. Donc, si tu touches à leur vision, à leur vision, ils vont t'accuser d'atteinte à la nation algérienne. Donc, tu veux la diviser. Et dans les dîners Saïd Saadi, les cités d'avril 80, ils c'est à peu près la même chose en 80 qui kiffe d'arante. Voilà, le mot 80, où il y a une nouronne, où il y a la démocratie de l'Azayar. Eh ben, on va t'accuser, Blif, de diviser ta mort. Tu veux atteindre, tu veux faire, tu veux en quelque sorte diviser ta mort. Si tu n'atteins à l'unité nationale, c'est le même cas, la Ligue des droits de l'homme 85, ainsi de suite. Donc, nous, à chaque fois, ou les Sahara Timourli, à Meglensen, ils vont t'accuser d'atteindre à l'unité nationale. كانت كمال سكسيني دي سدون يشد فكن دكتور سعدي يدرد كان من قادي زانترنوت نو قاد يتتبع عن غزطان تمتسير نو ون الناس وتسريا يبويوثنا كيري سرطان النار كي تدي قادسة لديلان كون بوليتيك
هذا شو تسيريني تاينس دكتور سعيد سعدي مزدنا لك سعيد سعدي ده هذيك هاشي دينا يناد باللي لتفصان لدينا كي دينا dans une autre contribution, les délais en politique, ça se traite au niveau des tribunaux. Donc, ça a dit que c'est déjà effrayant. Si on n'y a pas fort, il s'agit, le règlement du problème va se traiter au niveau des tribunaux. Et oui, je vais dire, Saïd Saadi est gamet de Kabul Mourad Dhina, qui est un cadre de Rachad. En même temps, il est militant du fils. Benouari, un ex-ministre, qui voulait être un intermédiaire ou un discable Saïd Saadi de Mourad Dhina, Saïd Saadi, il a refusé. Oui, Fed. Il ne dit pas pour des raisons personnelles, il n'est qu'une raison morale et éthique. Pourquoi ? À khatr Dhina, il n'a pas condamné les assassinats netran pendant la décennie noire. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ne sont pas morales, même les démocrates doivent accepter leur martyr. Ça veut dire c'est comme si je baisse le hal mais motar jaout bous bsi le hal bra ou dak im khalafen ikti winsen ou dak ndanou le qbel la rat ila tokrasi gel zayer amili sani belli chahawi mouthem a khatr koumi tfghmed contre la l'instauration de l'état théocratique gel zayer donc sa dit qara dou zmera ki nas ki sont moral ou zmera d qablo ou dak nilan oui, les Kenyans gamènent condamnent les assassinats netran pendant la décennie noire du Timor du Zaïre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Saïd Saadi net depuis 2001, il défendait un principe de création de la commission indépendante vérité et justice. Et d'ailleurs, même Saïd Saadi il roche en Afrique du Sud, il voit qu'il va voir comment ils ont traité la question en Afrique du Sud, il voit qu'il va s'inspirer de leur expérience. Et je dis que oui, il zèle. Donc, il n'est de la commission vérité et justice, ça a eu une issue à Rachid, c'est d'établir des responsabilités historiques et pénales de la décennie noire. Donc, après 58 ans, il n'y a que malheureusement les tribunaux étrangers pour avoir échange transparent et adulte pour la compréhension de la scène politique algérienne. Et Karak Darand, notre devoir, c'est de défendre la mémoire de Matoub, de Abban et Khirouil Khnilan, Nourouni Wekin, Adnili, Adnaïch dans la dignité. Donc, il n'y a pas criminel que celui vraiment qui va ôter une vie et qui va souiller son sens contre celui-là. L'a honoré et il a disparu. Donc, Saïd Saadi, il red darant youth diririth, ani inet billi, l'oufid disqsan fil congrès de la Soumam, l'oufid disqsan fil principe par rapport à la déclaration du 1er novembre pour l'instauration d'un État républicain et démocratique à principe islamique. Il n'aide à faire la différence avec les lois islamiques dans la déclaration du 1er novembre. Il n'aide à dire Wahid Boudiaf, Wahid qui n'est vraiment des rédacteurs de la déclaration. Il n'aide qu'ils n'ont rien à voir avec l'islamisme, avec la religion. Il n'aide juste à rendre principe islamique pour toucher la base moyenne qui ne comprend pas vraiment l'islamisme pour les avoir. Et pour les avoir à adhérer à la révolution. Donc, Rachid, tu es rétus aussi. Tant mieux, tu es mal à ce que c'est un garçon pour droit à ce que tu as dit. Il y a un jour, tu as dit, 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 tu
وحريش ويسن وسكسين ذاشو تمسيرين ذاشو نزمد المذ سي تكتي وينكي دكتور سعيد سعدي أحريش مزورو نسكسيك الرشيد زمراد دينيا باللي أين الدين أي 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 دينيس أين الدين سعيد سعدي فتلوف la polémique nilan didas واحد enfin les attaques nilan contre Saïd Sadi réellement font واحد la polémique nilan didas واحد Rachad Rachad صحاب Rachad des islamistes هاد ديدان ثقست تمزورو ثخطر الاتاك يوشو خطر الدزر المدن باللي الطاس نمغناس نيلان كي رشاد لان دي مغناس الفيس الفيس اون 91 الفيت سعيد سعدي الى بلوكي الى في باراج avec l'Hachmi Chérif, avec oui, d'autres démocrates et l'adhésion des démocrates en Algérie. Et il y a même l'appel à la résistance armée pour contrecarrer les groupes terroristes. Donc Saïd Sadi, il a participé pour sauver le caractère républicain de l'Algérie, pour éviter de sombrer dans un état théocratique. Et donc c'est pour ça que France Tersibt. Tersibt, où Saïd Sadi, il l'a d'awik, donc c'est comme si pour eux c'est une occasion pour faire une revanche, pour discréditer, et waken Saïd Sadou ou Dissara Awel. Donc le, pour la deuxième tranche de ta question, Rachid Harish Wissin, nous sommes là, 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 Saïd Sadi, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes Rachad, des islamistes de manière générale. لكن ماشي ديون مساعد سعدي اترافير سي كونتريبيسيون خير لا تدور حق الغلاط سي بور سا ميم مساعد سعدي الى انترودوي الكونسيبت دي ديو اوتيل اخاطي زرا ميم لان ويكيني لان لي ماك دي الكونت الديموكرات دي بسوتو الديموكرات مالوروزمون ايل زاكسيبت ديتر دي زيسكابو دي السلومات يوكن اعذون لا ديموكراسي هاد الحقني الحكم ني غير الحكمه دي قيم ميكانيس donc c'est pour ça que c'est pour ça qu'il est dans Youn Shoutem certain de Djibril Youn بلي تمرت القبائل والديوره تقيم toujours qu'il va payer le lourd tribut pour les autres à خاطر ثورة لا كابيلي ويد il va tirer justement des conclusions بلي la démocratie en Algérie oui la Kabylie c'est vrai elle est la locomotive mais il ne peut pas assumer toute seule c'est de la Kabylie زمرت قبل ولزميت de façon à تعبي يقبل المرا تمر donc c'est pour ça que la Kabylie à mon avis elle doit aussi revendiquer certaines questions qui relèvent de ses intérêts c'est-à-dire de revendiquer à mon avis l'état décentralisé donc le mettre fin au jacobinisme et وكن تمر القبائل زمرت تاع ses propres institutions donc je pense qu'il fallait lutter pour que le jacobinisme a tombé et pour les institutions et bien sûr aussi de s'inspirer du congrès de la Souma même leur propre système de gouvernance justement cette lutte idéologique parce que entre Saïd Sadi et Wahid Rachad c'est pas une polémique contre Saïd en tant qu'individu, mais Rachid, c'est une lutte entre deux projets de société opposés. Saïd Sadi qui incarne le projet démocratique républicain et donc démocratique et républicain, et Jihan Netan, Rachid, il traduit justement l'islamisme, il traduit un état théocratique, il traduit la manipulation de l'islam à des fins politiques. Donc, c'est Timur Liyin, Mkhalafin, Gisnef, réellement, c'est ça qu'il fallait déterminer. Entre les deux projets de société. Et Rachad,